La malédiction de princesse Eva. C'est quand qu'on arrive? Très bientôt, regardez, c'est la montagne tourmentée. Serait-ce des flammes de dragons? Oui, les dragons vivent dans de petites grottes au sommet des falaises. Le carrosse de princesse Eva. Pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Pourvu que vous sachiez faire atterrir cet engin, surtout. Accrochez-vous. Arrête-toi, je t'en supplie, arrête-toi. Venez vite. Attends, tu veux dire qu'il faut grimper tout en haut? Oui, tout en haut. Et dans la mesure où c'est toi qui as fait apparaître la princesse Eva, je trouverais normal que tu cesses de te plaindre et que tu m'aides à récupérer mon amulette. Je fais ce que je peux, mais cette montagne est abrupte. Elle est très en colère contre moi. Mais vous lui avez pris son amulette. Quand j'étais petit, ma peste de sœur adorait prendre mes affaires. Ça l'amusait et moi ça me rendait furieux. Mais je suis sûr que la princesse Sophia vous pardonnera. Moi je n'y suis jamais arrivée, mais elle y arrivera. Je dois le faire pour Sophia. J'en suis capable. J'en suis capable. Seriez-vous le célèbre dragon flamme aux ors l'ancien? Qu'il demande? Je suis la princesse Eva, très honorée de faire la connaissance d'un dragon aussi illustre que vous, cher flamme aux ors. On raconte que vous avez la flamme la plus admirable du royaume. Je me demandais si vous pourriez me rendre un petit service. J'ai besoin de faire fondre cette amulette. Encore un objet à faire fondre? Quand les gens apprendront-ils à se débarrasser autrement de leur petit gris-gris? J'ai les naseaux légèrement irrités ces temps-ci. Les flammes n'arrangeraient rien, vous vous en doutez. Alors je ne peux rien faire pour vous. Flamme aux ors, je suis sûre que pour un dragon de votre stature, il suffirait d'éternuer pour faire fondre cette petite amulette. Oh, pourquoi les montagnes sont-elles aussi hautes? On arrive bientôt. Tu t'es fait mal? Non, ça va. Monsieur Bellet, ils sont dans la cuisine. Nous devrons attraper ces papillons, user de tous les moyens à votre disposition. Merci pour ce petit déjeuner, c'était charmant. Et ce n'est que la première surprise de notre anniversaire de mariage. Oh, serait-ce la deuxième surprise? Mais qu'est-ce que c'est? Des papillons? Maman, papa, tout ce que ces papillons touchent devient noir et blanc. Ils ont envahi le château. Apportez-moi un filet, et vite! Non, deux filets. Nous y sommes. Pas trop tôt. Les femmes d'abord. Suivez-moi. On se croirait dans un labyrinthe. Et où sont les fameux dragons? Bonjour. 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 Nous sommes contents d'avoir de la visite. Très contents. On a trop peu de visiteurs. Presque pas, il fait trop chaud à cette époque de l'année. Ici, il fait chaud toute l'année, de toute façon.